chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one could ever reprieve. Bonjour, je m'appelle Thérèse et ceci est un reportage pour Jazz for Peace Télévision. Aujourd'hui, nous allons interviewer le fondateur de Jazz for Peace, Rick De La Rata, à propos d'un des récents changements au sein de son organisation et les changements dans le monde entier. Bonjour, Rick. Hi, Thérèse. How are you? Good, nice to see you. Nice to see you too. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le support que vous avez reçu de Hillary Clinton. Yes, we're very happy about her recent support of Jazz for Peace. She lent her support not only to Jazz for Peace, but to a wonderful event that we had in upstate New York a few weeks ago. Alors, ils sont très heureux d'avoir le support d'Hillary Clinton. Ils l'ont rencontré lors d'un événement qu'ils ont organisé à New York. Et c'est à partir de là qu'elle a été l'un de leurs supporters les plus prestigieux. Quel est le plus excitant pour vous concernant le support que vous recevez de personnes aussi prestigieuses? Well, what's exciting for us is that the supporters of Jazz for Peace are so diverse. They come from different countries, different cultures, and different languages. And even here in America, many of our prestigious supporters are often on opposing sides with each other in different viewpoints, but they've united together behind the Jazz for Peace mission to help those who are helping others. Alors, ils sont contents. Ce qui les excite le plus, c'est d'avoir le support de différentes personnes venant de différents pays, parlant différentes langues et différentes cultures. Et c'est ce qui fait la richesse de Jazz for Peace, d'avoir différentes personnes derrière leur mission. Les gens sont intéressés par certaines déclarations que vous avez faites lors d'un récent concert à propos du rôle que les maires peuvent jouer dans la création de la paix. Que pouvez-vous nous dire dessus et comment vous est venue cette idée? Well, the idea came for me when I was thinking about a concert I had coming up for an organization called the Million Mothers Movement. And it dawned on me that mothers have so much expertise at peacekeeping by keeping their families together and by uniting their communities. And it just dawned on me that it would just be a wonderful idea if we could get these mothers together and perhaps they could provide peace on a broader level, especially in areas where we have failed at numerous attempts to create peace. Perhaps the mothers of these two sides could help get us to a peaceful place that we have not yet been to. Alors, l'idée lui est venue lors d'un concert qu'ils ont fait pour une association qui prône le rôle des mères dans la société. Et ils pensent que les mères doivent jouer un rôle important dans la promotion de la paix parce qu'elles ont toujours été un facteur de réussite, elles ont toujours maintenu la paix dans les foyers, dans les communautés, donc c'est vraiment important qu'elles jouent ce rôle-là de vecteur de la paix. Merci beaucoup, Rick. Ce fut un plaisir de parler avec vous. It's my pleasure. My pleasure too. Et ici Thérèse pour Jazz for Peace Télévision. Bonne semaine et à bientôt. I never knew the charm of spring, never met it face to face. I never knew my heart could sing, I never missed a warm embrace till April in Paris. Who can I turn to? What have you done to